Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bord. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Selon l'information que je viens de recevoir, on nous dit que la star de la musique Eskelly est morte ce matin. Wow! Wow, hein? Comment c'est possible? Vous pouvez le voir à l'écran. Elle recevait des soins depuis la maison. C'est une vidéo que nous avons vue sur les réseaux sociaux. Au départ, on se disait que c'était juste une simple maladie. Après, ça ira. Moi, j'ai rendu compte que. Après ça, cette star a été transférée à la clinique. C'est-à-dire, hier, cette star a été transférée à la clinique, une clinique qui s'appelle Semena, Semena de Boaké. Et c'est ce matin qu'on nous a annoncé sa disparition. Je vous assure que j'ai reçu cette information. Très très tôt le matin, avant même que je ne vous poste la première vidéo il y a quelques heures. Franchement, je n'y avais pas cru. Franchement, je n'y avais pas cru. Donc, je n'ai même pas même fait des vidéos rapidement pour vous dire que oh, non. C'est quand les blogueurs sur les réseaux sociaux ont commencé à s'agiter sur l'affaire que je me suis dit, ah, que se passe-t-il? Et c'est là que je suis tombé sur des informations qui ne font que paraître sur les réseaux sociaux encore, où on nous dit que c'est fait. L'oiseau rare s'est envolé. Hein? Je suis sur le choc. Suis vraiment sur le choc. Je suis sur le choc. Et apparemment, ce serait son manager qui aurait annoncé cette nouvelle. On nous dit que cette star se préparait aussi à fêter ses 15 ans de carrière. Donc, cette star se préparait à fêter ses 15 ans de carrière quand elle est tombée. Vraiment. La dernière vidéo que j'ai mise, c'est cette vidéo où elle nous montrait sa maison qu'elle venait de construire dans son village, un truc du genre. Et regardez maintenant ce qu'on voit ce matin. Une nouvelle qui laisse tout le monde. Sans mots. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? De quoi est-elle décédée? De toute la façon, même si on nous révèle de quoi elle est décédée, ça ne changera rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier. Prier pour que s'il y a encore une opportunité, une possibilité. Que cette star revienne à la vie, ce soit fait, quoi. Parce que ça, pour moi, c'est grave. Et moi, je me dis, vraiment, l'homme est un être faible. L'homme est un être vraiment très faible. Quand l'homme est en bonne santé, il peut faire beaucoup de bruit pour laisser paraître comme s'il est très fort. Mais, la réalité est tout autre. Je vous assure. La réalité là est tout autre. Si vous avez la possibilité de passer du bon moment avec vos proches, profitez de la vie, profitez de chaque instant que Dieu vous donne. Parce que une personne ne sait de quoi sera fait demain. Personne.
Les gens sont en train de dire rip, 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 rip. Jean, repose en paix, repose en paix, repose en paix, frère, repose en paix. D'autres ont dit non, c'est pas possible. Cette personne ne peut pas reposer en paix comme ça, c'est trop facile. Quelle a été la sorcellerie derrière sa mort? C'est-à-dire que là, certaines personnes cherchent le mystère, d'autres accusent la situation sanitaire du pays. Certains me pensent que si les grands du pays ne se soignent pas ici et sont tout le temps transportés hors du pays, c'est qu'il y a un problème sanitaire, que les gens ont du mal à. Est-ce qu'il n'y a pas de bons médecins ici, quoi? Est-ce qu'il y a sorti de dit? Moi, je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai rien à dire. Déjà même, je ne crois pas tellement. Moi, je n'aime pas croire à certaines choses. J'aime croire à la vie. J'aime croire à l'amour. J'aime croire au bonheur. J'aime croire à la joie. J'aime croire à la paix. Parce que j'aime la paix. Mais la mort, tout sauf ça. Tout sauf ça. Tout le monde peut mourir. Tout le monde peut mourir à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Je vous l'assure. Vraiment. On nous dit qu'il avait environ 40 ans. Et il est parti. Il a laissé une femme en Allemagne. Et regardez ce qui se passe. Vraiment, c'est une triste histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez connu? En tout cas, moi, je l'ai connu depuis très longtemps. J'étais encore petit. Avec sa chanson Konami. Oui, ça avait sa chanson Konami. Konami, c'est une danse. Une danse, tout le monde dansait. Il a vraiment fait son temps. Il a vraiment fait son temps. Après, il a voyagé. On nous dit qu'il s'est trouvé une femme en Allemagne. Et puis, il vivait sa vie. De temps à autre, il faisait le buzz sur Internet avec de la poudre. Sa poudre préférée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Que devons-nous retenir de cet homme? Mes frères et sœurs, l'homme né d'une mère, sa vie est courte et sans cesse agitée. De la manière il est né là, c'est comme ça il s'en va, comme une fleur qui s'envole. Oui. Quel choc. Quel choc. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je n'ai plus d'autre mot à dire que de vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous épargne beaucoup de choses. Mais surtout, ces temps-ci, priez beaucoup.